Les colonnes montant en ligne avaient peine à se frayer un passage dans cette grande foire du retour. Les troupes engagées attendaient au front les renforts en retard avec de plus en plus d'angoisse. La santé menacée des nouveaux nomades risquait de sombrer dans l'aventure, et la victoire était retardée par le chaos qu'ils créaient sur les routes. Les alliés intervinrent alors. Ils donnèrent des ordres. Ils décidèrent la création de centres provisoires de reclassement et de rapatriement, installés dans des casernes réquisitionnées, des usines, des maisons. Les stocks de la Wehrmacht servaient à nourrir les affamés. Les errants déléguèrent des représentants de leur nationalité et des interprètes qui coopéraient avec les officiers d'unités combattantes, transformés soudain en administrateurs internationaux. Il fallait apaiser les rivalités, empêcher les querelles, répartir les vivres, distribuer les couvertures, soigner les malades, trouver du lait pour les enfants. Quand votre métier jusque-là avait été celui de capitaine d'infanterie par exemple ou d'artilleur, c'était une drôle d'aventure que de se trouver tout d'un coup à la tête de 1000 ou 2000 personnes de tous les pays d'Europe. Dans ces centres, les libérés firent le premier apprentissage du retour à la liberté. Ils prirent leurs responsabilités, désignèrent leurs représentants pour l'organisation du camp. Il fallait avant tout veiller à dépister soigneusement la petite poignée de misérables qui cherchaient à disparaître dans le flot des déportés pour tenter de revenir dans leur pays continuer leur besogne. Les dénonciateurs, les agents de la Gestapo, les traîtres furent démasqués par ceux-là même qu'ils avaient vendus. De l'Elbe et de la Moldère, les Américains et les Russes se rejoignirent enfin. Sur les rives des fleuves où s'était opérée la jonction, les libérés qui allaient regagner de l'autre côté de l'eau la Russie ou les territoires délivrés par les Russes, établirent leur camp. C'était un grouillement de tours de Babel. Une tour de Babel de cages à lapins, de feux de roulottes, de cahutes, de tentes improvisées. On pensait au campement de Bohémiens, au village de Chiffonniers, à la zone. C'était la zone, oui. La zone où des milliers de gens retrouvaient l'espérance. Commissions militaires américaines et russes organisèrent en commun l'immense migration dont le flux et le reflux allaient se croiser sur les ponts de bateaux. Pendant plusieurs semaines, 10 000 rapatriés dans chaque sens franchirent les fleuves, parmi lesquels 292 000 Français libérés par l'armée russe. Ce quadrille de la liberté ramena à leur foyer, souvent détruit hélas, au total 2 400 000 Russes, 1 500 000 Polonais, 330 000 Tchèques, 1 750 000 habitants des pays baltes, 600 000 habitants de l'Europe centrale. Thank you.
notre sens, 2 100 000 Français, 570 000 Belges, 400 000 Hollandais, 420 000 Italiens rentraient chez eux pour s'attaquer au dur tâche de la reconstruction de leur pays. Pendant des jours et des jours, deux cortèges sans fin alternèrent sur les ponts, deux cortèges d'hommes désormais libres. Les uns marchaient vers l'est, les autres vers l'ouest. Mais pour tous, le chemin était le même, c'était le chemin du retour et de la liberté retrouvée. Au bord de la rivière, en plein air, les officiers de la sécurité militaire installèrent leurs bureaux. Dans ce flot humain, des misérables cherchent à se glisser. Traîtres confondus avec les innocents, bourreaux mêlés aux victimes, dénonciateurs mêlés aux dénoncés. Ouvrir l'œil. Il fallait savoir deviner dans cet éventail de papiers qui venait se déplier sur la table, dans l'inquiétude d'un regard, dans l'obscurité de certaines réponses, la présence d'un traître, démêler dans l'immense écoulement du bon grain la dangereuse ivraie. C'est un visage presque comme un autre, celui d'un ennemi qui parle votre langue. C'est un regard presque comme un autre, celui d'un traître. C'est une main presque comme une autre, celle qui s'est tachée de sang. Mais une question fait blêmir les visages, un mot fait se baisser les yeux, la main tremble de l'homme qui ment. Deux suspects sont pris au piège, ils avouent, les voilà désormais hors d'état de nuire. Détruire les agents de la Gestapo, les tortionnaires, les volontaires de la LVF, les collaborateurs, on employait des officiers de la sécurité militaire. Pour détruire cette autre vermine, celle qui ne propage pas le nazisme, mais les épidémies, celle qui n'apporte pas la mort sous la forme des tortures et des fusillades, mais qui tue aussi efficacement par le typhus ou le choléra, on employa la poudre DDT. Grâce à l'invention et à l'usage de ce désinfectant, aucune épidémie ne se déclara. Il y a le génie, pontonniers, terrassiers, cheminots en uniforme et grâce à eux des trains. Les wagons qui avaient apporté vers le front des obus et des canons ramenèrent vers l'arrière ceux qui avaient été le premier enjeu des batailles gagnées et libérés. Pour chaque tonne de munitions qui était montée vers le front, il redescendit 1000 vivants arrachés à l'Allemagne.
Jadis, au temps de la paix, il y avait des trains de plaisir. Ces trains-ci, dont